On ne se lasse pas de repartir battre les sentiers. On ne se lasse pas non plus de prendre le temps d'écouter cette musique venue des arbres. Ça m'inquiète un peu, ça commence à se couvrir. Et quelle magnifique sensation que d'être constamment surpris, au détour d'un arbre, par une vision nouvelle et unique, et qui se renouvelle à chaque pas posé sur le sol. Bon voilà, je suis content, ça fait tellement paradisiaque, c'est bien ensoleillé. Après avoir crapahuté pendant 2 heures, surtout que j'ai passé des pierriers, et je me suis pété la gueule. Bon, on va pas se mentir, le montage de mon tarp, c'est extrêmement moche. Mais bon, ça fera l'affaire. C'est la première fois que j'essaie ce montage. Couper du bois, s'occuper d'un feu, établir son campement, ce ne sont pas que des éléments nécessaires au bon déroulement de votre bivouac. Non, ils sont aussi des moments rassurants, un laissez-passer dans les bois lorsque le confort moderne se trouve loin de vous. Le crépitement du feu, la chaleur et l'odeur du café vous fait comprendre rapidement cela. Bon ben j'ai posé mon cul sur des orties.
mains pour défier les étoiles et mêler nos voix. Ouvre ses blessures et regarde-moi. Mon corps meurtri est le canevas du destin de mes songes. Tu t'enfuis à l'aube, ton parfum de groseillier, de lilas. Je veux sentir tes longues boucles noires. J'avance sans crainte et poursuis sans relâche ton cœur insoumis. Passer la colère, la mélancolie, je viens guérir la chaleur de ton étreinte, de mes songes. Tu t'enfuis à l'heure.